Salut les moldus! Donc, petite vidéo parce que j'ai rectifié. On fait la vidéo parce que j'ai rectifié à demande de beaucoup. Et puis, j'étais voir chez le vendeur de pierre pour refaire le socle. Vu que le socle qu'il était vert, coquille, ça me plaisait pas trop. Donc, j'étais voir certains modèles et j'ai rectifié l'ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Présentoir à baguette, en bois, en cristal. Donc, je me suis un peu renseigné et j'ai modifié. Donc, ma baguette, hein, le pacte de sang, bien sûr. Et c'est pour ça, ici. Donc, vous voyez les brillants sur tout le tour. Faire comme de la roche. Comme une géode. Il y a eu quelques changements de couleur, un petit peu de marron, éclaircir, faire un cluster de cristal de quartz noir. Voilà. Sur une géode. Voilà ma fabrication. C'est complètement en bois. Complètement en bois. Voilà. Le socle, j'ai retapé un fond deux fois aussi. Faire la géode, leur socle. Le socle géode. Et j'ai repris des paillettes, des couleurs. Un peu de marron sur le noir pour faire la terre, la sortie du sol, puis le vieillissement. Voilà. C'est beaucoup plus réaliste. Voilà. Mon cluster de cristal quartz noir sur géode. Voilà mon présentoir à baguette en bois. Alors c'est complètement en bois, hein. Du hêtre. Le socle c'est en contreplaqué. Il y a deux, trois morceaux de sapin. Et tout ça, c'est fait à la main, pièce par pièce, 38 pièces. Et j'ai remis pas mal de paillettes pour faire le côté géode. Et puis les couleurs plus réalistes par rapport aux vraies pierres. Ma géode cluster cristal de bois en quartz noir, imitation quartz noir. Qu'en pensez-vous? Un petit pouce, un commentaire. C'est magnifique. C'est magnifique. Y a un abonné qui va être content parce qu'il m'en a parlé. Ça faisait pas assez réaliste, voilà, je pense que il me donnera son avis. Allez, les moldus, un pouce, un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Salut!